jour, je cassais ma puce sur le terrain. Chaque jour, je partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si je pète les plombs, je vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'AC. Équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Bon, pas n'importe quel samedi, c'est le dernier samedi de l'année. Donc voilà l'équipe. L'équipe, ouais, si t'as bien compris, c'est la dernière vidéo actu de l'année. En gros, ben, on se retrouve dans quelques heures pour l'année 2023. Donc je vous souhaite déjà d'avance une bonne année l'équipe. Et quoi qu'il arrive, à minuit, il y a une vidéo qui sera publiée. Je sais pas encore ça va être quoi. Je vous invite à être là, à activer la petite cloche pour les personnes qui l'ont pas fait. Et puis voilà, sinon, ben, n'hésitez pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Et cette fois-ci, c'est la dernière vidéo actu de l'année. Et on se retrouve dans quelques heures pour la nouvelle année. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite déjà d'avance une bonne année. Bon, pour commencer cette vidéo actu, on va commencer avec Booba. Puisqu'il y a Booba qui a justement laissé un message à Maïva Guénam et à Magali Berda. En gros, il a dit, message reçu. Mais je précise qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier. Quand on parle des influx voleurs, on parle des écervelés. Type Maïva Guénam, venant en majorité de chez Magali Berda. Créateur de contenu, c'est très bien, tant qu'on n'escroque pas les gens. Et en gros, il a partagé un passage de l'interview de Natania, qui est passé en interview chez Samzira. Et en gros, dedans, ben, elle a parlé justement de Booba par rapport à son combat pour des influx voleurs, que elle-même justement combat. Bref, regardez. Bah après, moi, Booba, c'est très bien, hein, son combat, je le respecte à 1000%. Je trouve ça canon, d'ailleurs, c'est vraiment la voix du peuple. Alors, c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Sur le fond, je suis grave d'accord, sur la forme, ça à revoir. Mais bon, c'est Booba. C'est-à-dire que c'est sa marque de fabrique. Mais c'est embêtant. J'espère qu'il comprendra que ça peut porter préjudice à son combat. Bien qu'il soit hyper intéressant. Ce qui m'embête, c'est que du coup, ça met en fait tout le monde dans la même sauce. Alors je le répète exactement ce qu'on vient de dire au tout début. Il y a les influx télé-réalité, les influenceurs et les créateurs de contenu. Tout le monde ne devrait pas être dans la même sauce. Oui, il y a des gens qui ne font pas attention à leur communauté. Oui, il y en a qui sont dans des agences qui ne respectent pas... Ensuite, on a Drismer qui a piqué Weshden par rapport au nombre de ventes que Weshden a fait sur son dernier album, que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et ben on peut voir que Drismer il a dit « On a vendu plus que Weshden, et vous osez dire qu'on est finito. Weshden, viens on fait un feat, on va rebooster ta carrière, t'inquiète. » Et voilà. Donc ouais, là c'est clairement un pic pour justement piquer Weshden par rapport à son nombre de ventes. Et je me suis renseigné, c'est par rapport au dernier album de Weshden qui s'appelle Glow Up. Et en gros, on peut voir qu'il y a un mec qui a dit « Coup dur pour Weshden, son second album, Glow Up, démarre à la 106e place, moins de 1400 ventes. Pourtant, le disque est bien plus abouti que le premier. Que pensez-vous de ce désintérêt? Comment l'expliquez-vous » Et voilà. Et en gros, le tweet là, il a vraiment tourné sur Twitter depuis ce matin. Il a fait 538 000 vues. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, il y a Akobeb qui fait polémique depuis ce matin, puisqu'en fait, il a publié une publication sur Instagram qui parlait de l'affaire entre Aya Nakamura et Vladimir, son petit copain. Qui est normalement son petit copain, bref. Et ben, d'après les rumeurs, ils sont plus ensemble. Et d'après justement les messages qu'il a mis. En gros, on peut voir qu'il y a plusieurs messages qui ont été envoyés par Vladimir. Après, je sais pas à qui il les envoyait, tu vois. Mais ouais, ça se donnait des rendez-vous, etc. Tu vois. Donc, à mon avis, c'est une histoire de tromperie. Et c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. À mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment compliqué comme histoire. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Dadju, qui a justement rencontré son artiste préféré, qui est Akon. Et ben, il a publié une vidéo en story. Et pour le coup, Akon lui disait comme quoi, ben, c'était lui son artiste préféré. Bref, regardez. Ok, ok, en direct de Sénégal, DKR. With my favorite singer. No, my favorite singer. No, you my favorite no, singer. My favorite no, singer. No, you really my favorite no, singer. He's really my favorite singer. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 mètres pour une paire de Margiela. Tu me reconnais, toi? Du genre technique, on arrive. Avec la rage, on peut tout faire. J'ai trop souffert, j'analyse. Tous les paysages sont parés. J'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Donc voilà ce qui se passe entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les couilles trop tard. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit référencement. Si t'as pas un commentaire, si t'as pas mettre un commentaire, tu veux bien te tromper. Alors c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, j'ai tué la phrase, mais on va le laisser comme ça naturel. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire ce soir. Moi personnellement, je vais être avec ma mère, on va manger et ensuite, ben, je vais être devant l'ordi à faire des montages, etc. Regarder des vidéos, puis voilà. Après, peut-être jouer à la play, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des personnes qui jouent et qui savent pas quoi faire. On peut jouer ensemble, donnez-moi vos idées. Et puis voilà, après, moi sinon, je te souhaite vraiment une bonne année et on se retrouve à minuit pour une nouvelle vidéo. Je te dis à soir pour une nouvelle prochaine de mes vidéos et une nouvelle exclue. Bref, j'ai vraiment hâte d'être ce soir à minuit parce que j'ai un truc qui est prévu pour ce soir. Bref, peace les gars.